Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui va montrer comment farmer rapidement Interchange. Donc c'est une vidéo qui va un peu se compléter avec la première que j'avais fait il y a un peu plus d'un an. Donc on va rentrer tout de suite au vif du sujet. En fait, il s'agit d'aller au niveau du holly, de monter à l'étage et trouver ce petit magasin Techlight. C'est un magasin rempli de surprises en fait. Et donc du coup vous pourrez looter un maximum de choses que vous pourrez trouver. Le but, ça va être de fouiller partout et de sauter au-dessus des étagères. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des iPhones, des trucs comme ça qui sont bien cachés, des CPU. Et du coup, on passe sur beaucoup de choses. Donc voilà, gaz analyzer, vous voyez. Et bien sûr, le but en même temps, ça va être d'aller très vite. Parce que c'est un endroit qui est prisé par les joueurs. Que vous pouvez, moi, le record que j'ai fait, c'est de sortir avec 1,6 million de roubles en 10 minutes. Et vous, en dehors, c'est pas le mec qui bosse chez... C'est un chat. Mais non, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que vous pouvez trouver sur plusieurs Tetris. Moi, je suis tombé sur 3 Tetris différents. Plus plein de bleu petit. Et bah, 1 million. Donc, ça fait un beau petit pactole. Alors, faut bien regarder. Hein, regardez l'attaque. Donc, ça, c'est pas ce qui coûte cher. Les ampoules, pareil, ça coûte pas une blinde non plus. Des caps. Mais vous, si vous venez en Bambi, c'est toujours honneur. Alors, ici vous pouvez trouver des Kalachnikov. Tac. Câble. Surtout si vous trouvez des cordes, prenez-les. Les cordes, c'est ce qui est le mieux. Alors, moi je refais un petit tour là. Toujours 3 tours, moi. Je sais pas ce qu'il y a de mieux à faire parce que, comme je vous dis, hein, les joueurs arrivent très rapidement et c'est compliqué. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à faire la vidéo. La reprise. Voilà, c'est surtout bien les Tetris. Hein. Regardez. Moi je fais ça, vous voyez. Et là, on a fait à peu près le tour. On a pas grand chose. Là, de tête, je dirais qu'on a un petit 100 000, pas plus. Pas ouf, mais c'est pas terminé. Après, donc du coup, vous reprenez directement l'escalator qui est ici. Vous descendez. Là, du coup, c'est le holly qui est là. Et vous allez aller à gauche, première à gauche. Vous trouvez au niveau du trou. C'est ça. Tac, voilà. Donc là, en fait, à gauche, après, à droite. Tag. Et là, du coup, il va y avoir des magasins. Attendez, non, je me suis peut-être trompé. Il y avait un autre magasin à faire. Voilà, juste là, en fait. Juste là. Ce magasin-là. De toute façon, c'est ce magasin que je voulais faire, d'ailleurs. Ce magasin-là à faire, qui est rempli de cartes graphiques, habituellement. Donc, pareil, hein, là, comme je le dis, c'est au petit bonheur la chance. Tac. D'ailleurs, ça, alors, une petite caisse d'armes. Donc, pareil, les caisses d'armes, comme je disais, ça a perdu de sa valeur hein, depuis la 0.12. Il n'y a plus grand chose qui spawn dans les caisses d'armes. Allez, hop, un iPhone en or. What? Il y a des trucs que vous pouvez après, plus vous avez, plus vous privilégiez un peu les choses importantes. Hein. Tac, là, je crois que c'est un petit nid, si je dis pas de bêtises. Hop là, donc. Et c'est ça. Hein. D'habitude, vous pouvez trouver 2 à 3 cartes graphiques. Là, il n'y a pas grand chose. Bam. Là. Oui. Il y a un autre magasin que vous pouvez fouiller aussi. Juste avant, voilà, juste là. En fait, en descendant, il y avait ce magasin-là aussi que vous pouvez faire rapidement. Tac. Donc, oui, il y a les trucs à lootables sont en surbrillance. Hein. Ça dépend près de votre niveau, vous pouvez faire avec le temps. Donc, voilà, donc là, encore un peu de RAM. Encore un iPhone en or. Ça, je crois que c'est 40 000 un iPhone en or. 40 000, je sais pas. D'argent. Et... Tac, là, une carte graphique, très important. Et... des ampoules, une ampoule c'est 10 000 à peu près, hein. Même pas c'est 6 000. Enfin, sur la quantité que vous commencerez à faire un peu de nef. Et voilà, donc j'ai fait ces trucs là, on en est à peu près à 4 minutes de vidéo, compter le chemin aller-retour à l'extraction, donc là moi j'ai l'extraction sud,
Donc en 10 minutes, 12 minutes, c'est largement possible de faire. Là, grosso modo, de tête, je dois avoir dans les 250 000 roubles. Ouais, 250 000. C'était plus pour ceux qui connaissaient pas ce petit chemin. Petite vidéo du dimanche, très rapidement. Généralement, vous pouvez tomber sur des Tetris, etc. Vous pouvez monter à 1,6 million, pourquoi pas plus. Faites attention aux joueurs, aux scavs. Partez quand même Bambi avec un petit pistolet. Moi, je suis parti comme ça. C'est chanceux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires, tiens, regardez encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'oubliez pas que j'ai fait un jeu concours sur l'épisode 81. Il y avait des petits trucs à gagner. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.